Et yo les gars, c'est Kylian, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Donc sur cette vidéo, je vais vous montrer comment éditer deux fois plus rapidement sur Fortnite. Avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications et de liker cette vidéo. Donc pour commencer, vous devez vous rendre dans les paramètres. Et d'aller dans commande de combat. Et je vous conseille de jouer en double bind. Alors, c'est quoi le double bind? C'est en gros, vous avez une touche pour sélectionner et une touche pour confirmer. Et de désactiver l'edit en relâchant. Donc, je sais que dans la communauté Fortnite, il y en a énormément qui jouent avec l'edit en relâchant. Mais en jouant en double bind, c'est beaucoup plus rapide. Parce que... En fait, quand vous éditez en relâchant, ben on est d'accord qu'en fait vous confirmez avec la même touche. Parce qu'en fait, quand vous éditez, et ben en gros, quand vous relâchez, ben ça confirme automatiquement. Alors qu'en double bind, vous avez une touche pour sélectionner et une touche pour confirmer. Alors je vais vous montrer, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, quand vous allez faire la double edit, regardez, quand je vais edit, c'est beaucoup plus rapide. Hein. C'est beaucoup plus rapide. C'est vraiment beaucoup plus rapide pour enchaîner des triple edits, c'est juste incroyable. Moi, de base, j'édite en éditant relâchant, je suis passé en double bind, c'est beaucoup mieux, malgré qu'il y ait une touche de plus qui soit utilisée. Moi, je trouve ça beaucoup plus réactif que l'édit en relâchant. Donc ça, c'est mon avis personnel. Hein. Si vous n'aimez pas du tout le double bind, si vous n'arrivez pas à vous habituer, bah, passez tout de suite en éditant relâchant et bah, continuez à vous améliorer avec ça. Alors, la deuxième astuce, donc ça concerne que les joueurs PC, les gars, malheureusement, je suis désolé pour les consoles. Donc, en gros, vous allez passer en générique. Donc, le jeu sera deux fois plus fluide en termes de construction et d'édit. Donc sur ça, il n'y a pas trop d'explications. En tout cas, on le remarque dans les edits, c'est deux fois plus fluide que en manette normale Xbox ou PS4. C'est juste incroyable hein, de passer en générique. Je trouve ça le jeu il est deux fois plus réactif et deux fois plus fluide. Et pour la troisième astuce les gars, donc ça c'est pour les hits aussi. Donc par exemple vous allez prendre une touche de votre manette et vous allez la remplacer avec changer de mode et modifier. Donc en gros, votre touche d'édit sera beaucoup plus réactive que d'habitude. Donc je pense que vous le sentirez quand vous allez toucher, quand vous allez edit. C'est beaucoup plus réactif. Donc sur ça non plus, il n'y a pas trop d'explications. Donc il y a certains joueurs Minds qui utilisent ça et ils ont remarqué qu'il y avait une sacrée différence en éditant. C'est vrai qu'on remarque quand même un petit peu de temps de réactivité, que c'est vraiment beaucoup plus rapide. Je trouve ça vraiment beaucoup mieux. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, si vous a plu aussi, ben n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. Et sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo les gars.